Nous allons étudier les quatre familles de projection de judo que sont les techniques de hanches, les techniques de jambes, de bras et de sacrifice. Pour chacune de ces familles, je suivrai sensiblement le même plan. C'est-à-dire que je commencerai par une démonstration des techniques traditionnelles, une fois en kumikata à gauche, une fois en kumikata à droite. J'entrerai ensuite de manière approfondie dans les explications techniques pour les plus usitées d'entre elles. Je poursuivrai par une présentation des nombreux éducatifs, renforcement, exercices d'application spécifiques. Et je conclurai par une démonstration des applications pour la compétition, c'est-à-dire les variantes des techniques traditionnelles et les techniques nouvelles que la compétition moderne a su faire apparaître pour une plus grande efficacité. Toutes les techniques du Yoseikan Budo peuvent être représentées dans le randori d'entraide. Coup de pied, coup de poing, poussée, saisie, frappe à main ouverte, main fermée,
projection, clé. Plutôt que de solliciter les seuls muscles d'un ou deux membres, le mouvement ondulatoire utilise le corps tout entier pour développer la puissance sur un coup de pied, un coup de poing, une projection, une clé, une technique d'arme. Premier chapitre, tout commence par le kumikata. Votre première attention devra porter sur la manière de saisir le kimono de votre adversaire. C'est très important, car c'est la base sur laquelle vous allez construire vos mises en déséquilibre et vos projections. Inversement, vous devrez empêcher l'adversaire de faire de même. Le but, vous l'avez compris, c'est d'avoir un bon kumikata pour pouvoir agir et d'empêcher l'adversaire de prendre le sien pour ne pas subir. Vous compléterez votre étude du kumikata par des techniques de blocage, les techniques de décrochage et les techniques d'attaque à la volée. Quelle que soit votre forme de kumikata préférentielle, bas, croisé, haut, le contrôle doit être très serré et sans flottement. Chaque action exercée sur le kimono doit se répercuter sur l'adversaire. Quand on tire de 5 cm la toile de judogi, il faut que l'adversaire vienne de 5 cm. Les deux mains doivent agir ensemble, en synergie, avec un même but. Pour cela, le judogi doit être tendu. On agit comme sur un volant. Le kumikata sert aussi de point d'appui, de point d'ancrage.
Il sert à mon équilibre. Il y a une grande dimension tactique dans la prise de kumikata. Par exemple, il est intéressant de savoir neutraliser le droitier comme le gaucher. Ainsi, en début de lutte, des deux mains, on ira bloquer et pousser vers le bas le bras fort de l'adversaire, c'est-à-dire celui qu'il veut monter à votre col. Et ensuite, on prendra notre kumikata préférentiel. Il est difficile de prendre son kumikata préférentiel directement. L'adversaire vous en empêche. Il va donc falloir vous trouver des étapes intermédiaires. Ensuite, le must sera de pouvoir attaquer à chaque étape de la prise de kumikata. Sur cet exemple, à la première étape, je fais Ippon Seoi. À la seconde, je fais Oishigari. Et à la troisième, je fais Araigoshi. Deuxième chapitre, savoir enchaîner plusieurs techniques. L'adversaire n'est pas toujours dépassé par l'application d'une seule technique. Il est important de compliquer sa tâche défensive en se préparant des enchaînements de techniques. Il faut donc réfléchir à des schémas d'attaque à appliquer à chaque situation d'école. Et là, on dispose de plusieurs méthodes. On peut préparer des combinaisons d'attaque où chaque action est engagée avec la même sincérité. Et on peut également utiliser une première technique partiellement pour déstabiliser progressivement. Dans ce cas-là, la première technique n'est pas là pour faire tomber, mais pour gagner du terrain sur la défense de Uke. Ainsi, la seconde aura plus de chances de passer que si on l'avait lancée directement. Pour vous faciliter l'étude, j'ai divisé ce chapitre en trois. On va d'abord voir les enchaînements avec des techniques de hanche, puis des enchaînements avec des techniques de jambes, puis d'épaule. Zoom sur Ushimata, projection par l'intérieur de la cuisse. La majorité des principes que je vais vous montrer pour Ushimata s'appliquent pour d'autres prises comme Araigoshi, Anegoshi et d'autres. Sur mon Ushimata à gauche, je compte gauche-droite, fauchage du gauche. Gauche-droite, fauchage du gauche. Mon premier gauche doit être très rapide et tonique, sans se planter dans le tapis, pour ne pas couper d'entrée tout élan. Pour que la rotation se fasse bien, je dois être sur la pointe des pieds. Ma jambe d'appui, la droite, est bien au centre des jambes de Uke pour me permettre de me placer sous lui. Elle est fléchie lors du placement pour avoir plus d'énergie potentielle, pour être beaucoup plus stable et pour être capable de faire des efforts dans plusieurs directions. Je ne dois pas trop coller Uke d'entrée, sinon je me bloque moi-même. Ma rotation est bloquée et je risque d'être contré. Je dois donc tourner assez devant, hanche libre, et tirer mon partenaire à moi. De plus, ma jambe aura ainsi de l'élan pour faucher. La tête doit tourner très vite et en premier. C'est elle qui commande la rotation. Elle doit tourner au plus vite, menton à l'épaule, et ne pas faire un quart de tour, menton en l'air. La jambe qui fauche doit être bien tendue, bien en extension. Quand la jambe est tendue, il y a une véritable chaîne musculaire qui travaille. Il y a une mobilisation de tout le corps
pour le même objectif. Ischio-fessier, lombaire, dos, épaule. Alors que jambes fléchies, la chaîne est rompue à plusieurs endroits. Les fesses sont serrées car la jambe qui fauche doit rester dans l'axe du corps pour être puissante. Elle ne doit pas s'écarter. Lors du fauchage, mon bassin et mes pieds sont parallèles à ceux de Huquet. Un enchaînement de variantes dans un but pédagogique. Araigoshi, Anegoshi, Ushimata. Araigoshi, Anegoshi, Ushimata. Un enchaînement possible, Koishigari suivi de Araigoshi. Ushimata à gauche, suivi de Ippon Seoi à genoux à droite. Je fais Ushimata sans lancer le balayage, je ressors et j'enchaîne en Ippon Seoi de l'autre côté. Ushimata forme hanche, suivi de Koishigari sur la sortie. Ushimata forme jambe, suivi de Oishigari sur la sortie. Un autre enchaînement, avec cette fois-ci un kumikata croisé, Ushimata, suivi de Sumigeishi. Je peux enchaîner ma technique avec une technique faite partiellement. Un exemple, Araigoshi, suivi de Araigoshi. J'attaque la première jambe pour ensuite faire le mouvement en entier. On agit selon le même principe avec un autre exemple, Taiyotoshi, suivi de Taiyotoshi. Cette double attaque se fait en 4 appuis seulement. 1, 2, 3, 4. Voici maintenant des enchaînements de techniques avec en majorité des techniques de jambes.
Zoom sur Osotogari, grand fauchage extérieur. On décale un peu le bassin vers l'arrière droit pour pouvoir ensuite percuter Uke de face et non en biais, où trop de force se disperserait. De plus, il faut du contact. Les deux épaules se frappent. Mon bras droit se colle au corps. Je fais cube. Mon bras gauche exerce un geste circulaire, plutôt que le piston habituel, pour entraîner une réaction et conserver un maximum d'inertie. Pour plus de puissance, je fais un temps de galop, c'est-à-dire un piétinement en deux appuis supplémentaires, destiné à me donner de l'élan. Je lève les yeux vers l'horizon, je lève le genou de la jambe qui doit faucher, ainsi ma hanche avance comme il se doit pour gagner en allonge et en puissance. Cheville en extension, orteil vers le bas. Lors du fauchage, ma tête va vers mon genou d'appui. Osotogari, à ce stade, se fait comme un Ushimata sur l'ischio-jambier. Si Uke m'empêche de venir au contact en tendant son bras gauche, je fais Osoto-Otoshi. Je dévie sa force pour qu'elle n'agisse plus directement sur ma poitrine. Je fléchis et des bras je tends comme un arc. J'avance ma hanche et je crochette le creux poplité de l'adversaire pour lui faire fléchir la jambe et entraîner une cambrure qui lui enlèvera de la force. Je ne rapproche mon appui droit pour être en mesure de crocheter que lorsque mon pied gauche a pris appui au sol. Je ne dois jamais me retrouver sans appui, je risquerais d'être contré. Un petit travail en Uchikomi sur une forme particulière de Osotogari et Araigoshi, en fixant vers le bas, en faisant cube. Un travail d'Uchikomi pédagogique sur Osotogari et Oushigari. Zoom sur Isaguruma, roue autour du genou. La première forme, traditionnelle, je bloque le genou qui avance du côté du bras que je tire. Il faut tirer des deux bras parallèlement au sol, les coudes levés. L'intention est de jeter Uke au loin. C'est seulement sa résistance et la pesanteur qui se chargeront de limiter mon jet. Si dès le départ je reste modeste, il ne tombera pas. La deuxième forme est plus en percussion. Je me décale pour faire le trou devant lui. Je percute son bassin avec la hanche et j'aspire avec mes bras et ma rotation des épaules et de la tête. J'attaque la jambe inverse à la technique traditionnelle. La même deuxième forme enchaînée avec Osotogari. Je fais Isaguruma deuxième forme, il esquive, j'enchaîne en Okuri Ashibarai, balayage des deux pieds.
Je fais Isaguruma deuxième forme et j'enchaîne avec Osoto Otoshi. Je fais Taiotoshi sur la première jambe et j'enchaîne en Isaguruma première forme ou Arai Tsurikomiyashi. Un exemple d'enchaînement après une technique faite partiellement. Je monte ma main derrière sa nuque, il m'en empêche une fois, deux fois, à la troisième fois je vais directement à la clavicule de l'autre épaule pour aller saisir la ceinture dans le dos. Dans le même temps, je tire Uke à moi de la manche, son épaule est bien verrouillée. Je fais Arai Goshi Makikomi en lançant tout le corps dans la rotation. Avec la même feinte, selon son déséquilibre, je peux lancer Osoto Otoshi Makikomi. Même départ et possibilité de faire une forme d'Oishigari en force, très accrochée. Il faut pousser du coude et de l'épaule sur la tête de Uke pour le tordre de côté et lui enlever ainsi de la force. Exactement le même départ, mais on conclut avec une forme en force très arrachée d'Isaguruma, dite pantalon-ceinture. Même départ, je monte ma main derrière sa nuque et je me retire avant qu'il ne m'arrache la main. Une fois, deux fois, à la troisième, j'attaque en Ippon Seoi. Je fais une attaque partielle sur la première jambe avant de lancer la technique définitive. Je vais faire une forme de Dehashi Barai accroché. S'il n'enlève pas sa jambe, il tombe. Il va donc retirer cette jambe en esquive. Cela va lui faire reculer les fesses et se pencher en avant. Et, selon le sens de déséquilibre, j'enchaînerai en Arai Goshi ou Osoto Otoshi. Zoom sur Oishigari. Dans la forme traditionnelle de Oishigari, la poitrine percute. Je pousse et tasse des deux bras et de tout le corps. Cela jusqu'au sol. Je fauche à ras du tatami en arc de cercle. Dès le fauchage entamé, je transfère tout le poids de Uke sur l'appui fauché. Enchaînement de variantes de Oishigari dans un but pédagogique, Oishigari classique, Oishigari en décoiffant l'épaule, Oishigari en embrassant au niveau des lombaires pour accentuer la cambrure de Uke et lui supprimer de la force. Un exercice pédagogique sur Oishigari grand fauchage intérieur et Kōishigari, petit fauchage intérieur. Je fais le même exercice, mais avec une forme de déplacement plus réaliste. Uke se laisse déplacer. Je dois l'emmener dans la position adéquate pour lui placer Oishigari ou Kōishigari.
Un travail technique sur Kōushigari, petit fauchage intérieur, et Kōushigake, petit accrochage intérieur. Kōushigari sur la jambe qui avance. Kōushigake sur cette même jambe qui recule. Puis exactement la même forme de corps, mais avec Kōushigari, petit fauchage intérieur, et Kōsotogake, petit fauchage extérieur cette fois-ci. Un ushikomi pédagogique, la même jambe attaque sur l'arrière de quatre manières différentes. Osotogari, Kōushigari, Ōushigari, Kōsotogake. Dans la même idée, la jambe attaque une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Ōushigari, Osoto Otoshi. Un enchaînement, Kōushigari, suivi de Yoko Tomoe Nage. Kōushigari, suivi de Ippon Seoi, du même côté. Kōushigari, suivi de Ippon Seoi Nage, de l'autre côté. Kōushigari, suivi de Ushimata. Ōushigari, suivi de Ushimata Kenken. Un exemple d'enchaînement après une première technique faite partiellement sur la première jambe. Ōushigari suivi de Ushimata. Je suis gaucher. L'Ōushigari frappé de la jambe gauche sert à faire reculer la jambe droite de Uke et à le faire se pencher un peu. Je fais gauche-droite Ōushigari frappé et j'enchaîne gauche-droite Ushimata. Je peux, sur le même registre, augmenter la déstabilisation progressive et la mise en déséquilibre en doublant, triplant ou quadriplant mes attaques. Kōushigari, Ōushigari, Kōushigari, avant de placer ma technique définitive. La technique partielle peut être utilisée en feinte. Ici, je fais semblant d'aller chercher le kumikata haut et brusquement je fléchis, je vais très en contact et je fais Ōushigari avec forçage des lombaires. Je peux faire le même travail de prise de kumikata et faire Morotegari, fauchage des jambes
Parlez demain. Je peux faire une technique partielle pour conditionner l'adversaire. C'est le cas ici, en deux impulsions en demi-ippon seoenage, pour ensuite plonger en kohushigari makikomi sur la réaction. Le troisième sous-chapitre. Toujours des enchaînements de techniques, mais cette fois-ci, une majorité de techniques d'épaule. Zoom sur Ippon Seoenage, projection par une épaule. Mon bras droit est sous son épaule. Je suis en position pour l'alléger. Je vais donc entrer Ippon Seoi debout. Mon bras gauche doit percuter. Mon poignet effectue une rotation, petit doigt vers moi, tout cela pour verrouiller parfaitement l'épaule de Uke. Lors de la rotation du corps, je dois rechercher une deuxième percussion de l'arrière de l'autre épaule contre Uke. Cela pour assurer un contact parfait entre les deux corps. Pour la projection, mon intention doit être de le projeter au loin comme un javelot. Je dois me jeter dans le déséquilibre avant. C'est l'opposition de Uke qui fait que l'on reste parfois debout en équilibre. J'accompagne Uke jusqu'au bout pour le forcer à bien tomber sur le dos. Si mon bras droit est au-dessus de celui de Uke, je fais plutôt Ippon Seoi à genoux. Je tasse Uke vers le bas, avec un contrôle très serré de l'épaule. Je vais très loin sous Uke et je me redresse comme un ressort. J'ajoute une très forte rotation du corps pour jeter mon dos et celui de Uke au tapis. Un enchaînement de variantes dans un but pédagogique. Morote Seoenage, Eri Seoenage, Ippon Seoenage. Ma main droite est toujours à la manche de Uke. Un autre enchaînement pédagogique, Morote à droite, suivi de Morote à gauche. Sur la même logique, Sode Tsurikomi Goshi à droite, suivi de Sode Tsurikomi Goshi à gauche. Un autre enchaînement, Morote Seoi à droite, suivi de Ippon Seoi à gauche, sans changer de kumikata. Main droite, toujours au revers de Uke. Une autre combinaison, toujours sans changer de kumikata, Tsurikomi Goshi, puis Morote Seoenage, puis Sode Tsurikomi Goshi de l'autre côté.
Une autre combinaison à travailler. Ippon Seoenage. Koushigari Makikomi. Wakiotoshi ou Sokunage. Une adaptation de cette combinaison, mais avec un kumikata différent. Je tiens maintenant le bout de manche. Eri Seoenage, Koushigari Makikomi, Sokunage. Un autre enchaînement, Ippon Seoenage, suivi de Kataguruma. Ippon Seoenage, suivi de Osoto Otoshi. Ippon Seoenage, suivi de Koushigari. Troisième chapitre, il s'agit d'être dangereux sans changer de kumikata, sur tous les axes d'attaque. Arrière-droit, arrière-gauche, avant-droit, avant-gauche. Ainsi, pour être capable de vous adapter au plus vite aux réactions de l'adversaire, vous allez travailler des combinaisons pour chaque situation. Il réagit vers l'arrière-gauche, c'est OK, vous avez prévu une prise ou un enchaînement dans ce sens. Il réagit vers l'avant-droit, c'est prévu également. Quelles que soient les réactions de Uke, vous ne serez jamais à court d'idées, vous serez très réactif, très dans le temps. Le débutant commencera par faire simple. Sur la poussée de Uke, il saura attaquer sur l'avant-gauche, Kubinage par exemple. Sur l'avant-droit, Izaguruma ou Sasae par exemple. Sur le tirage de Uke, il saura attaquer sur l'arrière-droit, exemple Osotogari. Sur l'arrière-gauche, Kosotogake par exemple. Sur un uke qui tourne autour de lui, il saura faire selon le sens Oushigari et Koushigari. Ensuite, il faudra travailler en Uchikomi sur les quatre angles d'attaque possibles, sans changer de kumikata. Un exemple, vers l'arrière-droit, Osotogari, vers l'arrière-gauche, Oushigari, vers l'avant-droit, Sodetsuri Komigoshi, vers l'avant-gauche, Ippon Seoenage. Un autre exemple, toujours sans changer de kumikata, vers l'arrière-gauche, Okuri Ashibarai ou Sasae Tsurikomiyashi. Vers l'arrière-droit, feinte de Deashibarai et vite Osoto Otoshi. Vers l'avant-gauche, Araigoshi à gauche. Vers l'avant-droit, feinte du corps vers Araigoshi et Ippon Seoi à droite. Un autre exemple, toujours sans changer de kumikata, vers l'avant-gauche, Araigoshi, vers l'arrière-droit, Osoto Otoshi en réaction de Araigoshi, vers l'arrière-gauche, Tani Otoshi en réaction de Ushimata,
vers l'avant droit, Isaguruma percuté. Un autre exercice du même type, je le débute en forme statique. Osotogari, Isaguruma percuté, Oushigari, Araigoshi. Et je fais évoluer l'exercice avec un pas de recul de la jambe gauche de Uke. Attaque sur le recul. Osotogari, Isaguruma percuté, Oushigari, Araigoshi. Quatrième chapitre. On va maintenant utiliser la force de l'autre avec le principe d'action-réaction. Dans un premier temps, je vais faire une action ou une feinte pour amener l'adversaire à réagir dans le sens que je désire. Et dans un deuxième temps, je vais anticiper cette réaction et lancer une technique dans le même sens. Résultat, d'une part, ma technique sera très puissante car j'additionnerai ma force à la sienne, et d'autre part, mon anticipation fera que l'adversaire aura un temps de retard qui l'empêchera de défendre. Premier type d'action-réaction, je tasse Uke vers le bas. Cela entraîne son redressement et j'utilise ce temps de remontée pour mon attaque. L'action de tasser se fait avec tout le corps. On doit exagérer l'amplitude à l'entraînement pour être suffisamment efficace en situation d'opposition. On peut le faire sur un seul temps de ressort pour ne pas trop téléphoner son action-réaction. Un autre exemple, je tasse et sur la remontée, je glisse dessous en yokotomoenage. Deuxième situation, j'exploite maintenant une réaction vers l'avant. Je le pousse des deux bras, j'ajoute une impulsion brutale et quand il se rebelle contre ma poussée et qu'il lève son bras gauche pour placer son kumikata, je l'aspire et je lance ma technique. Une autre technique, je tends les bras et recule le bassin pour desserrer son kumikata et entraîner un tirage et un redressement de sa part. Je profite de cette réaction pour revenir très brutalement et très fléchi faire ma technique. Le flottement qui s'est créé à l'instant m'a permis de tourner. Je peux faire une technique de hanche d'un côté ou une technique de seoinage de l'autre. Cette autre méthode demande de faire un tirage sec du poignet de l'adversaire. L'action doit être brusque, de petite amplitude, comme un électrochoc, et peut être doublée ou triplée. La réaction obtenue sera un sursaut arrière-avant. Ce sera pendant ce flottement que vous lancerez votre technique en tirant cette fois-ci très amplement et très fort. Ce même flottement peut être obtenu en agissant sur le revers. Puisqu'on agit maintenant sur la poitrine, il faut que l'électrochoc soit plus puissant, mais tout aussi bref et brutal. Cette notion de flottement est primordiale, car on perçoit que l'on peut projeter vers l'avant quelqu'un en léger déséquilibre arrière, et vice-versa. Le plus important est qu'il soit en flottement, flottement des appuis qu'il a sur vous et le sol.
Une autre possibilité consiste à faire un enchaînement de techniques sur un temps d'action-réaction. Je fais Ushimata très déterminé du haut du corps, je ressors à peine pour tout de suite rentrer à nouveau Ushimata sur son flottement. Même action franche d'Ushimata du haut du corps, et je ressors en Ushigari sur sa réaction arrière. Sur cet autre enchaînement, je vais sortir de sa ligne de force en me mettant brusquement de profil. Profiter du flottement pour faire une action d'araigoshi du haut du corps et enrouler en osoto otoshi sur sa réaction vers l'arrière. Notez l'action du mollet gauche sur le creux poplité, l'attente de la prise d'appui du pied gauche au sol avant de rapprocher le pied droit pour ne jamais flotter en l'air et le coude gauche qui se lève pour emporter la tête de Uke. Cinquième chapitre. Il s'agit d'enchaîner au sol au plus vite. Le combat commence debout, mais il se finit souvent au sol. Ainsi, il est important de connaître cette partie du judo, charnière entre le travail debout et le travail au sol. Après un avantage acquis debout, vous saurez alors ne pas laisser flotter votre contrôle et vous mettre directement en position de conclure au sol. C'est ce qu'on appelle la liaison debout-sol. Ensuite, pour être complètement au point et être très réactif, il vous faudra vous mettre en tête des schémas d'attaque pour toutes les situations d'école au sol. La technique au sol doit être considérée comme une continuité de la technique debout. Ici, Taiotoshi, suivi de l'immobilisation Kuzure Gezagatame. Une autre conclusion en immobilisation, je projette, je ne lâche pas le kumikata et resserre mon coude droit à moi et contre lui pour qu'il ne tourne pas sur le ventre dans son élan. Quand Uke se tourne vers moi, je passe ma main gauche à la ceinture. Du bras, je contrôle également son épaule gauche et sa tête. Quand Uke repart de l'autre côté, je place mon autre main en kamishiogatame. Même projection, mais cette fois-ci, Uke a continué sa rotation pour presque se mettre sur le ventre. Ma main droite a échappé son revers gauche, alors je me concentre sur son bras droit en l'embrassant pour retenir sa rotation. En restant en appui sur mes pieds, je vais m'asseoir sur sa tête et contrôler son corps avec les genoux. Je verrouille son bras avec sa jupe de kimono et je conclus en immobilisation. Je démontre trois formes possibles. Ici, Uke est encore plus engagé dans sa rotation. Il est presque sur le ventre. Je dois donc renforcer mon bras droit avec le bras gauche et venir en opposition pour pousser de la poitrine. J'entraîne sa tête vers l'arrière en passant ma main droite sous son menton et en levant le coude. J'immobilise en Kuzure Yokoshiogatame.
Je fais maintenant Koishigari. De la jambe gauche, je maintiens un contrôle de sa cuisse et de son bassin. Des bras, je contrôle sa poitrine et son épaule gauche. Je verrouille. Ma poitrine est bien droite. Je ne me penche que sur le final. Je lève le coude pour bien verrouiller sa tête. Mon épaule droite vient serrer au menton. J'immobilise. Kuzure Yoko Shiogatame. Sur Oishigari maintenant. Je contrôle cuisse et bassin avec la jambe gauche. Je viens au plus vite contrôler sa tête et les épaules. Mon épaule gauche est très active sur le menton pour m'aider à dégager les jambes. Je reste en Tate Shiogatame ou j'évolue en Yoko Shiogatame. Une clé de bras maintenant. Jujigatame. Je fais Ippon Seoi. Très vite, je descends mon bassin sous son épaule et je fais la clé de bras en croix. Je fais Taiyotoshi à droite. Uke effectue une fausse chute et revient vers moi. Je contrôle son autre bras, tire la nuque d'Uke entre mes jambes et je fais Jujigatame. Mes jambes sont placées de manière à bien contrôler le haut du corps. Je serre les genoux. Je fais Sasae et n'arrive qu'à le faire tomber à genoux. Je garde le contrôle de son bras, j'enjambe Uke et en roulant j'entraîne la tête de Uke. Je conclue encore avec Jujigatame. Avec un kumikata croisé, je fais Ushimata Kenken. Je le tire pour accentuer son déséquilibre et je passe ma jambe en position de faire Jujigatame. Je continue ma rotation jusqu'à mettre mon pied droit dans l'aine. Je m'assois sur son épaule, Jujigatame. Toujours en kumikata croisé, je fais encore Ushimata Kenken pour mettre Uke en position quadrupédique. Je tire pour bien déséquilibrer. Je passe jambe gauche par-dessus Uke et appuie du tibia derrière sa nuque. Aidé de ma main droite qui tire sa ceinture, j'entraîne en Jujigatame. Uke tombe à genoux suite à mon sasae manqué. Je passe ma main gauche en étranglement. Mon aisselle droite et ma hanche droite sont en appui de l'étranglement. Okuri Erijime. Même amené au sol, même étranglement au courrier régimé, mais en plus ma main droite est passée en contrôle au poignet droit de Uke.
Même amené au sol, même étranglement au kuri erijime, mais en plus, jambe gauche crochète le bras gauche de Uke. Ainsi, en avançant le bassin, Uke sera en plus gêné par un contrôle en clé de bras. Même amené de Uke en position quadrupédique. Je passe ma main gauche en étranglement. J'enjambe Uke par la gauche et je l'entraîne sur la droite. Je passe ma main droite en contrôle de son bras et épaule droit. J'étrangle au kuri erijime ou j'étrangle en ramenant ma main et son bras derrière sa nuque pour kata a jime. Avec une opportunité de départ différente. Je bloque son attaque en mettant ma main dans son dos, en avançant le bassin et en cambrant en arrière. Je décale à droite. Je passe ma jambe droite, saisis la sienne du bras droit et entraîne Uke en roulant sur mon épaule droite. J'étrangle en au kuri erijime. Mon mollet gauche coiffe son épaule pour qu'il ne vienne pas à moi. Je peux faire évoluer la technique en ajoutant une poussée du tibia. Ceinture noire, deuxième dan de karaté, Alexandre Biamonti appartient à l'élite du karaté français. Champion d'Europe et de France 98, vainqueur de l'Open de Paris 98, vainqueur de la Coupe du Monde 97, le palmarès d'Alexandre Biamonti ne cesse de s'étoffer. Aujourd'hui, Alexandre vous présente sa vidéocassette consacrée aux techniques de compétition qui gagnent. Yeah.